That was awesome. Bon, l'équipe, ça va ou quoi? Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas sorti le scooter. Même moi, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Parce que j'ai eu des petits problèmes avec le scooter. Pas des problèmes mécaniques, des problèmes avec la police. Eh ouais, ils le veulent. Mais ils l'auront jamais, mon pote. Ils l'auront pas. Même eux, ils le savent, ils l'auront pas. Franchement, ça fait bizarre de rerouler, ça fait longtemps. C'est incroyable. On dirait que j'ai jamais reroulé en fait. Genre je sais refaire les choses. En fait, quand ça fait trop longtemps que t'as pas roulé, en fait, genre tu sais faire les choses, mais en fait, ça te fait bizarre parce que je te dis, j'ai appris ça quand en fait. Tellement que ça fait genre longtemps. On enlève la main de l'accélérateur ou quoi? Gadji. Olé. En fait les gars, en fait, tu sais, quand il y en a qui enlèvent la main de l'accélérateur, en fait il faut tout le temps être plus haut en fait que le point d'équilibre en fait. Tu vois, genre t'as capté ou pas? Bon les gars, là je vais vraiment faire un petit tour à Perpignan juste pour vous faire une petite vidéo. Après je pense qu'après je vais l'amener au Karcher le con. Parce que regardez la poussière qu'il a. Il a une poussière, j'aime pas. Je pense que je vais l'amener un peu au Karcher tranquille. Et du coup voilà. J'espère aussi que vous m'entendez, parce que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, vous savez, au rassemblement de Narbonne, le problème c'est que comment dire, c'est que en fait il n'y avait pas de son. Voilà. Du coup j'ai dû vous mettre que de la musique. De toute façon je l'ai dit, mais je sais pas pourquoi ça. Je sais pas pourquoi il n'y avait pas de son. En fait. Voilà. Je sais pas du tout. Boisson fraîche, fruits et légumes et produits régionaux. Régionaux. Ah ouais. Bon les gars, bientôt la nouvelle machine ou quoi? Franchement, j'en ai parlé à peu près à mon mécano, j'en ai parlé à peu près à des potes à moi proches, très très proches. Et ils m'ont dit que ça va être plutôt pas mal. Voilà. Donc franchement, vous allez me dire dans les commentaires ce que ça va être. Enfin, vous allez deviner ce que ça va être. Bon les gars, je sais pas si vous l'avez vu, mais genre sur mes snaps, sur mon Insta, sur mon Instagram et tout, en gros je fais beaucoup de 4x4 en fait avec mes potes, enfin, beaucoup. Je fais du 4x4 avec mes potes. Moi je conduis, je conduis pas parce que j'ai pas de 4x4. Peut-être un jour les gars, un 4x4, si ça vous chauffe ou quoi, j'achèterai peut-être un 4x4. Et en fait genre de là, ben en gros moi je suis passager en fait, voilà. Moi je suis passager et genre
Des fois, genre, je descends pour leur dire qu'il faut passer par là, tu vois. Genre, je vois mieux, tu vois, les roues, etc. Tu vois. Donc, si ça. Si Anna, ça chauffe vraiment, je pourrais vraiment faire des vidéos que de ça, en fait. Que de. En gros, que. Ben, que de 4x4, en fait, pendant. Parce que là, dimanche, là, il va y avoir une sortie, là. Dimanche, là. Dimanche là il va y avoir une sortie donc il y a moyen que si ça vous chauffe ou quoi je filme. Voilà. Vous me dites ouais Kenny fait une vidéo en 4x4, hop, et voilà. Bon les gars là je suis en pleine ville, hein, vous connaissez, ça change pas ça. Oh putain il y a les condés. Il y a les flics à pied, il y a les flics à pied. Bon, le bruit du scooter Fry c'est incroyable gros. Putain, mon scooter, on dirait qu'il est creux vraiment quand je départ. Ah, le transporteur mon pote. Ah mais je le connais en plus celui-là qui a ça. Bravo, il a des BBS gros sur le transporteur, incroyable. La musique, bon la fin. Bon voilà moi les gars c'était juste pour vous donner de mes nouvelles. Je suis beaucoup en train de faire du 4x4 en ce moment. Et du coup les vidéos là elles vont revenir mais incroyable. Parce que voilà, ben en vrai genre depuis ma dernière vidéo, ben en vrai j'ai arrêté de fumer. Voilà. Là ça fait une semaine et trois jours là que j'ai arrêté. Et j'ai vraiment arrêté définitivement. Je sais pas pourquoi je suis là les gars. Voilà, j'ai arrêté définitivement de fumer. Et je n'ai pas fumé depuis. Voilà. Donc ce qui veut dire que ben, tranquille, quoi, j'ai arrêté de fumer. Donc c'est un truc très très bien pour ma santé. Et je me sens un peu mieux en fait. Et genre je me couche tous les jours vers 23h. 23h minuit grand max. Et après je me réveille, c'est 7h30, 8h quoi. Donc après genre j'ai une vie normale. Vous savez que genre là j'ai bien déjeuné, c'est 11h19. C'est plutôt tranquille là, je vis comme quelqu'un qui est normal. J'ai arrêté de vivre en décalé la nuit, etc. Les gars, je sais pas où je vais, hein, mais enfin, je sais où je suis, mais je sais pas où je vais pour trouver un karcher, quoi. Bref, et du coup, genre, ce que je veux dire, c'est que, voilà, bientôt nouvelle machine. Là, ça va grave changer, là. Putain, il faut que je la resserre, la mousse, là. Oh. Ouais, là, ça va changer, là, la nouvelle machine. Ça me tarde et tout, les gars. Parce que je pense qu'il va y avoir des nouvelles rencontres avec d'autres youtubeurs, je pense, avec cette machine-là. Je ferai une vidéo que quand je l'aurai. Parce que moi, j'aime pas trop parler, tu sais, j'aime pas dire aux gens, ouais, je vais acheter ça, ça, ça. J'aurai exactement le modèle et tout, et imaginons, genre, je peux pas l'acheter. Genre, il me manque des sous ou quoi. Vous avez vu ou quoi? Enfin, moi, je sais déjà combien j'ai à mettre, etc. Genre, là, j'attends juste quelques petits trucs. C'est pour ça que je peux pas l'acheter maintenant. Du coup, voilà. Parce que, bon, ça coûte. C'est pas trop gratuit, quoi. Parce qu'en fait, en gros, je sais pas. En fait, genre, là, je suis sur deux modèles. Voilà. Voilà, je vous le dis les gars, je suis sur deux modèles. Et voilà. Je sais que si je sors un modèle plus que l'un que l'autre, je pense qu'il y a moyen que je buzz ou quoi. Il y a moyen qu'il y en a beaucoup qui parlent quoi. Est-ce qu'il y a un Karcher par là? Attends, il y a un Karcher par là. En plus genre les gars, je sais pas combien j'ai d'essence moi dans le scooter hein. Le pire c'est ça, c'est qu'à tout moment les gars je tombe en panne hein. J'espère juste que j'ai de l'essence dans le scooter. Parce que sinon après je tombe en panne. Hein. Eh, si je tombe en panne, comment on fait? On appelle maman, hein. Elle vient avec le kangou. Oh les gars, un jour il faudrait que je fasse une vidéo, tu sais, l'autonomie de mon scooter. Genre, tu sais, je mets le plein et je roule jusqu'à temps que je tombe en panne. Oh putain, mais on m'appelle, frère. Mais les gars, j'ai carrément la musique qui s'est arrêtée. C'est qu'on m'appelle. Voilà, comment savoir si on t'appelle ou quoi? J'ai plus de musique. Ah ben c'est mon collègue. Il y en a plein à chaque fois qui me demandent, mais Kenny, comment tu fais pour pas que tes écouteurs ils tombent? Parce qu'en fait, genre, je mets pas des écouteurs comme les Apple. Vous avez vu, tu sais, les écouteurs Apple là. Genre, intra-auriculaire, je sais pas quoi. Genre, moi, je connais rien, moi. Vous savez, genre, tu sais, les écouteurs, mais qui restent juste sur le. Tu sais, sur l'oreille, qui rentrent pas. Il faut pas prendre ça, il faut prendre les écouteurs qui rentrent dans l'oreille. T'as vu qui. Ouais, c'est bizarre un peu ce que je suis en train de faire. Hein. Vous savez, genre, il y a genre, j'ai des écouteurs qui se mettent un peu comme ça. Mais moi, j'ai des écouteurs qui rentrent, gros, comme ça. Et du coup, je les enfonce bien, bien, bien. Je mets le casque, tu vois, j'écarte bien, tu vois, genre j'écarte bien le casque,
Je les mets et en fait après genre je passe encore ma main et je les enfonce encore et après voilà. Et après ça tombe pas. Regardez, genre là j'ai les écouteurs. Hein. En reste le pneu. Oh les gars, go trouver un Karcher ici, fry. Mais sur ma mère gros, il y en a pas, fry. Y en a qui me demandent, mais pourquoi tu connais très très bien? Et parce que regardez les gars, y a moi frérot. C'est là où je m'habille en fait. Voilà. Y en a qui s'habillent à Decathlon, y en a qui achètent des vêtements à Nike, qui vont à Go Sport. Moi je vais à Yamaha, moi. Regardez, ça c'est mon garage. Voilà, regardez. Ça c'est mon garage là les gars. Mercedes. Voilà. Mercedes-Benz. Bon les gars, j'espère que j'aurai assez de batterie quand on arrivera au Karcher. Là, il y avait une station d'essence là-bas, mais je pense pas qu'il y a un Karcher. Parce que cela ne me dit rien. Bon les gars, dites-moi si ça vous chauffe dimanche que je vous fasse une vidéo. Enfin, que je vous fasse une vidéo là, parce que du coup là c'est ce week-end quoi. Du coup c'est pour ça, s'il y en a qui ça chauffe ou quoi, je vous filmerai, mais vraiment genre je vous ferai carrément un vlog carrément. Genre tu sais, je prendrai ma caméra, ma GoPro, je ferai un bon montage, etc. Je vous dirai exactement les 4x4 de mes collègues, etc. Bon, je passe pas là non. Bon les gars, il faut tester. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut ce trou du cul? Il est fou ce machin. Hey, y a vraiment des gens bizarres gros. La tête de la mère, j'ai même pas parlé les gars. Oui. Hey. tu vois pas gros, le mec il était sous cocaïne mon pote. Ça c'est un mec de teuf ça. Je suis en même mort. T'as vu près la coupe de cheveux gros qu'il avait là? T'as vu, j'ai même pas parlé. Moi je laisse parler moi les gens moi. Mais t'as vu ce qui est drôle, t'as vu ce qui me poursuivent même pas frère. Ça, genre ça c'est le meilleur. Eux c'est les meilleurs gros. Moi je m'en fous. Moi en fait quand j'ai la GoPro je laisse parler. Moi s'il m'arrive un truc, hop. Voilà. Au moins on peut pas dire que c'est moi, tu vois. Ah c'est des fous ma part. Perpignan les gars, c'est une ville de fous. Hein. Ça il faut le savoir. Hein. Incroyable frère. Hey, gros, au début je me suis dit mais pourquoi il crie frère? Vraiment hein. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait frère? Putain en vrai ça va, j'avais de l'essence en fait genre dans le scooter hein, comme quoi. À l'aise. Oh y'a la police. Bah oui les gars, j'ai la plaque frère. Frérot, il regarde la plaque, je l'ai mis sur le côté les gars. Je roule pas sans plaque les gars. C'est évident. Je vais pas rouler à fond les gars. Regardez, j'ai la plaque, je roule pas vite frère. Putain, casse la tête hein, ces mecs hein. Oh non mais eux c'est les plus beaux frère. Ils se tournent et tout dans la voiture frère. Oh frérot, ça va les gars frère, c'est bon, vous me connaissez à un moment donné frère, non? J'étais en train d'accélérer, je sais pas, genre on aurait dit que j'ai désaccéléré mais sans faire exprès genre. On aurait dit que le story il allait tomber en panne. Les gars en fait genre je stresse tellement en fait pour l'essence que... Au final on dirait que dans ma tête il... Genre il tombe tout le temps en panne en fait. Ça roule en GTD et... Il est beau hein. Ah oui, une fille en plus, incroyable. Si c'est une fille je m'en bats les couilles. Hop, je sais pas par où je passe, je vais passer par là. La route là-bas je la verrai une autre fois. Parce qu'en fait en gros, ceux qui savent pas, mes premières vidéos je les faisais sous le pont à chaque fois, j'allais tout le temps. Genre je tapais des burns et tout, genre tu sais je faisais des trucs de gamin tu vois. Ouais les gars, à chaque fois je fais ça c'est parce qu'en fait en gros je rebranche à chaque fois tu sais le micro. Parce qu'en fait en Narbonne, je sais pas pourquoi mais en fait en gros le micro il a pas du tout marché, j'entendais comme si genre en mode ça a jamais fonctionné en fait. C'est pas bizarre. Pas mal ça non? Bon les gars je crois que je vais le laisser allumer parce qu'en fait genre je sens qu'après il va pas redémarrer. Parce que je le connais mon scooter Chicoco. Tu connais. Hop. Petit pour de mon ange cousin, je vais mettre 1 euro frère parce que moi je suis un gros radin gros. Vous savez les gars, c'est la deuxième fois de ma vie que je le passe au Karcher. C'est incroyable non ce qui se passe. Vas-y je crois que je vais faire lavage et rinçage, finition gros, je m'en bats les couilles. Hein. Franchement gros je te mens pas frère. Que lavage gros, voilà je m'en bats les couilles frère. Allez hop. Fais le scooter au Karcher mon frère. En vidéo en plus. Alors ça c'est pas mal ça. Par contre regardez, vous avez vu genre les gars, vous avez vu que j'ai une ventilation en fait, vous avez vu que mon carter en fait genre il est ventilé. En fait genre c'est pas trop bon en fait genre de le genre de mettre de l'eau en fait genre tu sais dessus. Vous avez vu en fait genre c'est. En fait genre je peux mettre de l'eau mais vraiment vite fait en fait. Vous avez vu genre juste comme ça. Et genre je peux pas insister ou quoi, t'as vu. Il y en a frère qui nettoient leur gros cube, et moi je nettoie mon petit scooter parce que moi je l'aime. Voilà.
Moi c'est ma vie, frère, mon petit scooter là. Vous avez vu, je nettoie, hop, tranquillou. Je nettoie aussi ça. Hop, tranquille. Là, le derrière. Là, je vais faire rinçage. Attends, je vais appuyer plusieurs fois parce que des fois ça bug. Oh, petit rinçage, mon pote. Tu connais. Tu vois, j'essaie de faire ça vite, tranquille. Pas besoin d'insister ou quoi. Enfin, moi, personnellement, j'avais pas besoin d'insister. Hein, mais... Je sais que là, il y a genre beaucoup de crasse, là, à chaque fois. Là. Voilà. Vous avez pas besoin de mettre 15 ans, hein, les gars. Voilà. Attendez, les gars, je vais faire une photo. Pour les réseaux sociaux. Oh, the fuck, je vois rien. Attendez, les gars, je vois rien. Avec les lunettes, les gars, je vois rien. Hop, hop, putain, les gars, mon téléphone, il est mort. Hein. Pourquoi on voit rien, frère? Est-ce que ça filme toujours ça? Parce que du coup, je peux plus voir mon rétro. Hein. Putain. Non! Plus de batterie? Depuis quand? Je sais pas. Oh là là, la merde. Oh là, j'ai plus de batterie.